Donc l'ESCA aujourd'hui organise un événement sur des questions climatiques que le monde doit défier à travers les jeunes que nous formons, les talents qui ont la responsabilité. Donc on veut essayer un petit peu de faire rayonner le Maroc dans le cadre africain. Donc c'est pour ça que c'est un événement que nous avons organisé dans le cadre d'une alliance de 6 écoles dans le Maroc et d'autres pays africains, dont les meilleures écoles du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Donc pour nous, c'est essentiel qu'on puisse avoir un impact sur ces questions-là qui demandent de réfléchir sur les synergies dont on a besoin pour que l'académique, les agences gouvernementales, le privé, les ONG et le secteur public en général puissent avoir une cohérence de manière à ce qu'on puisse avoir un impact sur ces questions qui sont extrêmement importantes, non seulement pour le monde, mais pour l'Afrique, mais dans lesquelles c'est des problématiques qui apparaissent simples, mais qui sont complexes. Et dans cette complexité, nous avons besoin d'hommes, parce que la machine qui est appelée à résoudre ces problèmes, ce sont les talents que nous formons qui doivent être responsables de ce qu'ils font. Et quelque part, c'est cette machine s'ennuie, c'est les hommes. Le changement climatique impacte le Maroc, impacte les pays africains. Par exemple, au Maroc, 0,2% du PIB chaque année est perdu à cause du changement climatique. C'est plus de 250 millions de dollars à peu près. Et ça, c'est des chiffres de la Banque mondiale. En Afrique, nous avons des déplacés climatiques qui sont de plus en plus nombreux. À horizon 2050, on pourrait avoir 100 millions de déplacés climatiques. Et donc, c'est très important que toutes les parties prenantes s'allient pour réfléchir ensemble, agir sur comment on peut réduire les impacts du changement climatique. Et c'est très bien que des écoles de commerce organisent ce genre de forum où, bien sûr, il y a des universitaires, mais il y a aussi la société civile, il y a le CVSE, il y a le secteur privé, parce que c'est juste en faisant de la collaboration entre différents secteurs que nous y arriverons.